actif à Saint-Dié-les-Vosges. Après 2 ans de Covid, nous sommes contents de pouvoir retrouver les parquets et nous espérons nous qualifier pour les finales à Lons-le-Saunier, que ce soit les garçons et les filles, afin d'avoir une belle compétition à la saison. Et Kervens. Tu poses tes affaires, tu redescends. Voilà, voilà. Remis les choses tactiquement, posez-vous les questions, gérez. Il y a 2 mecs qui ont des projets de jeu complets, donc là avec les vrais mouvements, tout nickel, hein. C'est un vrai cadeau, et j'en ai un 3e que je donne à carte. D'accord? Vous répétez les choses. Maintenant c'est focus, focus, c'est le notre ennemi. Allez go! C'est pour le match. Team! Depuis 2 ans, il n'y a pas eu ces compétitions-là. Vous êtes les premiers à pouvoir les refaire après la pandémie qu'il y a eu. Donc, il faut que vous preniez ça aussi en compte. On a de la chance d'y être ici. Il faut que je donne le maximum de moi et que je montre que si je suis ici déjà, c'est parce qu'on a toute confiance en vous. Et parce que vous méritez d'être là. Et maintenant, prenez du plaisir aussi sur le terrain. Les générations d'avant, je peux vous dire, elles sont dégoûtées de ne pas avoir fait ce genre de tournoi. Maintenant, on doit faire ce tournoi pour se qualifier. Donc, il faut finir dans les 2 premières. Et ça part par tout de suite, se mettre tout de suite dedans. Dès le premier match. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps là, de dire, oh, c'est pas grave, on verra demain. Non, on n'a pas le temps. Tout de suite. Il faut être dedans, tout de suite. Je veux une équipe conquérante sur le terrain. Dès qu'on perd un ballon, je veux qu'on le récupère derrière. Dès qu'il y a un ballon qui traîne, qu'il soit pour nous. Si à un moment ça va mal, qu'on a un temps faible à un moment donné, il faut qu'on soit solidaires ensemble. Je veux voir une équipe conquérante, je veux voir une équipe aujourd'hui. Et parce que vous allez jouer en équipe, vous allez pouvoir remporter le match. Vous sortez du vestiaire en n'ayant qu'une seule envie, c'est de faire en sorte que l'Île-de-France ait du talent et que tout le monde le remarque. C'est pas que nous dans le vestiaire qui devons le savoir, c'est tout le monde qui doit le savoir. C'est clair pour vous? Ouais, allez. Yes, it is!
apprend, on progresse. Maintenant, depuis le début, on a travaillé pour ce jour-là. Ces matchs-là. Maintenant, c'est ce tournoi-là qu'on doit prouver à toute la France qui on est, l'équipe qu'on est. Ok ? Comme lui qui l'a dit, ce maillot, il a une histoire. On doit le porter fièrement et l'assumer. D'accord ? Je veux personne qui bouge aujourd'hui, personne qui pleure, et personne qui abandonne ! C'était important de bien débuter la compétition, on sait que c'est jamais facile. Il y a toute la pression, toute cette attente. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de compétition, donc les garçons ils attendaient vraiment ça. Et on est content d'avoir bien débuté sur un match où, qu'on s'est rendu facile, parce qu'on a mis les bons ingrédients, en défense notamment. Donc maintenant il faut vite passer à autre chose, parce que sur les compétitions, c'est ce qu'on rappelle aussi aux garçons beaucoup, c'est que tu gagnes un match. Mais après, il faut gagner celui du lendemain et le surlendemain. Donc, on espère faire un bon match demain aussi. On est content, les filles ont fait un bon match, elles ont gagné aussi. Donc, ça lance bien la compétition pour nos deux équipes. 2 victoires sur la première journée. On espère continuer ainsi et se qualifier. Yeah.